La prochaine improvisation sera, ma foi, à la manière d'un conte. Donc, ce sera une improvisation contée. Et le thème sera dos au mur. Dos au mur, catégorie contée. Et je veux, du coup, deux joueurs et un compteur. Alors, comme compteur, je voudrais Clément. Et comme joueur, je voudrais Greg et Fred. Et vous avez, j'ai dit dos au mur, comptez 4 minutes. Il était une fois, dans une contrée extrêmement lointaine, un petit homme que l'on appelait Gudule. Gudule avait un ami. Cet ami, c'était son ami depuis qu'il était tout petit. Cet ami, il s'appelait Boudoule. Gudule et Boudoule aimaient bien courir dans les prés, dans le plus simple appareil. Il faisait ça tous les jours, tous les après-midi. Mais un jour, Gudule disparut. Et Boudoule était complètement bouleversé. Gudule, où es-tu ? Crie-t-il. Où es-tu, Gudule ? Mais c'était qu'un cache-cache. Et là, ça fait depuis 3 heures que je te cherche. Oh non, j'espère que tu ne t'es pas encore approché de cette caverne. Je t'avais déjà dit qu'il ne fallait pas y aller. Il est forcément allé à la caverne du Cerbère. Il y avait effectivement une prophétie qui disait que quiconque se rendrait à la caverne du Cerbère serait englouti par les sombres ténèbres. Alors il décida de s'y rendre et il cria de toutes ses forces. Boudoule, Boudoule. Mais quelqu'un d'autre l'entendit. Qui vient troubler ma caverne? Est-ce un petit homme comme celui que j'ai capturé? Approche-toi donc, petit homme. Tu pourras me servir de repas comme le premier que j'ai capturé. Vous me faites si peur. Je cherche mon ami Gudule. Cette oui. Sombre. Il est là. Mon ami Gudule. Oui. Ah, j'ai encore envie. Oui. Tu entends ces cris qui proviennent du fond de ma caverne. Et soudain, Gudule se rappela de ce que lui avait dit Boudoule il y a maintenant 1 an, tout juste. Boudoule ? Boudoule ? Écoute-moi, si un jour je suis perdu dans la caverne du Cerbère, n'oublie pas qu'ils ont peur qu'on leur postillonne dans les yeux. Et si tu dois me sauver, n'oublie pas de me ramener un sandwich. Armé de ce souvenir précieux, Gudule prit une grande inspiration et s'approcha sans peur vers le monstre de la caverne. Tu ne passeras pas, tu ne récupéreras pas ton ami et je vais te manger. J'espère simplement que Gudule se souvient des instructions que je lui ai données. Gudule, je vais servir d'appât. Ogre, attrape-moi si tu peux. Je m'en... Cerbère. Les passants brûlèrent les yeux du Cerbère, qui n'eut d'autre choix que de mourir. Meurs. Gudule, Boudoule, mon ami. Est-ce que tu as pensé à me prendre un sandwich? Bien sûr, il est ici. Je l'ai enrubalé dans ce papier, tiens. Ah, je m'en délecte déjà. Sortons de cette caverne et retournons à notre village. J'ai si hâte. Allons. Tous les villageois fêtèrent l'arrivée de Gudule et Boudoule. Pendant des jours et des nuits entières, ce fut la fête.
Youpi. Oudoul. Oudoul. Merci.